Punaise, je m'en doutais. Elle a oublié son sac, mais c'est pour ça qu'il m'a appelé. Lily Rose, t'as une grosse évaluation. C'est pas l'heure d'oublier tes trucs. Vite, je vais lui rapporter. Bon, salut à tous les amis. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là, on est le matin super tôt. Il doit être 7h30. Il fait encore nuit. De toute façon, maintenant, c'est l'hiver. Là, c'est foutu. Et on a... Mais qu'est... T'es encore là? Oui. Mais t'es sérieuse ou quoi? Oui. Lily Rose, t'as un truc super important aujourd'hui. Oui, mais... De quoi? Je me sens pas bien, là. Comment ça tu... Attends, montre-moi. C'est quoi ça, ce bandage? Je suis déjà allée au collège, là. Non, mais... je suis tombée. Bah oui, heureusement que t'étais déjà au collège, mais tu devais pas revenir tout de suite. Mais si, J'allais t'apporter ton sac, t'as oublié ton sac. Punaise, j'ai mal. Oh là là, bon vas-y, mets-toi dans ton lit, on va voir ça tout de suite, de toute façon là pour l'heure. Bon les amis, donc je disais salut à tous. Aujourd'hui Lily Rose, elle a un truc super important au collège. Elle a des méga évaluations à fond la caisse, quasiment les plus importantes de l'année. Je sais même pas pourquoi à cette période, voilà, pourquoi maintenant. J'ai juste vu ça dans son agenda, parce que Lily Rose nous l'avait caché, elle nous l'avait pas dit. Nuit. Non, non, tu vas pas dormir, on va y retourner tout de suite. Ah oui, d'accord. Ouais. Et comme par hasard, je reçois un message de Peppa Pink, de notre père, qui dit « Ouais, vite, Lily Rose, elle a ses évaluations dans 15 minutes, elle a oublié tous ses trousses, tous ses cahiers, elle a oublié tous ses stylos, il faut que tu le ramènes en vitesse. » Du coup, j'ai filé dans sa chambre pour prendre le sac, et là, qui je vois dans le couloir en train de... Qui voit l'âge? Qui voit l'âge? Qui voit l'âge? Mais ça me fait pas rire. Ton bras. T'as mal? Oui, je me suis cassé le bras, je crois. Mais qui a fait ce bandage là? Mais je rigole pas. Tu devais être au collège à 7h, Lily Rose. Mais oui, mais sur la route, c'est tombé. Les évaluations commencent à 7h40. Mm. Il est 7h32 là. Mm. Dans 8 minutes. Mm. Et tu sais que si tu rates ces évaluations là, tu peux redoubler. Mm. C'est les évaluations les plus importantes. Bon, apparemment, il y a deux évaluations importantes. Il y a celle-là et celle de fin d'année. Ah, bonne nuit. C'est pour vérifier. Désolé. C'est vrai que si je touche ton bandage. Punaise. Bon, là, les amis, franchement, je sais pas quoi faire. Je suis totalement perdu parce que. Il faut que je te ramène. Oh, je vais appeler Peppa Pink. Peppa Pink! Dépêche-toi, viens! Lily Rose, elle est là! Oh punaise, j'espère que t'es rentrée avec lui et que t'es pas rentrée toute seule hein. Du collège jusqu'ici pour pas faire les évaluations. Parce que je sais que t'es... Qu'est-ce que tu fais? Bon cache-toi derrière la porte. Cache-toi derrière la porte, vite, allez hop. On va, vite, dépêche-toi là. Je vais pas être gentil comme ça pendant longtemps. Bon, pourquoi tu m'appelles? T'as vu Lily Rose ou pas? Bah elle doit être à l'école, elle est... Ah tu l'as déposée? Bah non mais elle a dû y aller tout seule. Elle a ses évaluations. Bref, on verra bien. On verra bien. Bon, voilà. Donc, tu m'as appelé en me disant qu'elle avait oublié son sac. Tiens, voilà son sac. Tu peux lui rapporter. Oh là, et elle a ses évaluations. Bah oui, c'est dans 8 minutes, là. Elle a oublié son sac. C'est dans 8 minutes. Tu m'as menti. Tu m'as dit qu'il t'avait déposé à l'école. Tu m'as dit qu'il t'avait déposé au collège. Lui, il avait l'air de dire que t'étais partie toute seule. Hein. Ah. Non, mais quand il va savoir que t'es là... Parce que là, il est parti à ton école. Papa! Oh là 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 là! Parce que là, il est parti à ton école déposer le sac. Hein. Ah. Mais reste pas là, t'es dans un trou de porte. Attends. Chut! Papa! Voilà. Chut. Oh punaise. Et... Bon, viens. Non, mais je te balance. Je te poucave. Oui, je te poucave là, tu fais trop de bêtises. Regarde! Bah oui, je le sais, je viens de recevoir un coup de téléphone de l'école. Comme quoi, t'étais absente. C'est pas parce qu'elle a chanté encore une fois? Elle s'est grillée toute seule? Mais c'est quoi ce pansement? Bah elle s'est cassé le bras. Non, c'est encore un prank. Allez, lève-toi Lily Rose. Non, là je pense pas que ça soit un prank parce que les évaluations commencent dans 5 minutes maintenant. Bah oui, je le sais. Et elle était à l'école. À mon avis, elle est allée jusqu'au collège, elle est revenue ici. Et pourquoi tu me... Franchement, je suis dévasté parce que là, si elle ne fait pas ses évaluations là, elle va redoubler. Et tu t'es fait ça comment? Punaise, qu'est-ce que c'est? T'es encore fait la folle? T'es tombé, c'est ça? Oui. Oh, je suis perdu. Oh punaise. Allô? Oh punaise, oui. Punaise. Oui, c'est le frère de Lily Rose. Ici, Lily Rose. Oui, bah mon père répond plus parce qu'il est occupé. Oui, donc c'est... Oui, bah... Lily Rose doit être en route. Lily Rose doit être en route. Vous inquiétez pas, elle arrive bientôt. Je sais qu'elle a des grosses évaluations aujourd'hui. C'est juste que oui, on a eu un gros problème de voiture. On a eu un gros problème de voiture, donc on pourra peut-être pas.
On pourra peut-être pas être là tout à fait à l'heure, mais vous inquiétez pas, elle va arriver. Ok, pas de problème. Liro, j'ai dû mentir, j'ai dû dire qu'on avait eu un problème de voiture. J'ai raconté n'importe quoi au téléphone. Mais qu'est-ce que tu fais? Et ton bras cassé, il est où? C'était une blague. Maintenant, je veux aller au McDonald's. Non, mais de quoi? N'importe quoi. Tu fais tout tomber. Non, mais tu... Tu vas prendre ton sac. C'est une blague, tu vas y aller. J'ai dû mentir au collège, là, tu vas y aller. Bah, je vais pas aller au collège, hein. Je vais t'y accompagner, de toute façon. Ah si, là tu l'accompagnes. Même pas Audrey. Tu l'accompagnes jusqu'à la porte, jusqu'à la porte de l'évaluation. Tu viens. Si si, tu y vas, allez. Alors, oh punaise. Allez, arrête de faire la folle. Stop. Eh, vas-y, pars. Mais sinon, on va mieux à son coffre. Ah mais ça part en cacahuète. Ah mais je tombe partout. Ah mais non. Mais elle est folle ou quoi? Lirose, t'as intérêt à y aller. Ouais. Les amis, comme vous voyez, alors j'espère que chez vous, vous vous tapez des barres, parce que chez moi, c'est pas le cas là. Je vais regarder si le collège avait laissé d'autres messages. Restez, à mon avis, parce qu'il va se passer encore des grosses catastrophes. Oh, là, oh non. Elle a oublié ses stylos. Oh punaise. Attends. Allô, oui? Oui, c'est en... oui, on est encore en route. Ah, la voiture démarre, oui, c'est bon. La voiture démarre. Regarde, mon père va vous le dire. Dis que ça démarre. Oui, ça démarre. Voilà, ça démarre. Oui, la voiture est réparée. Lily Rose arrive dans 2 minutes. Oui. On n'est pas loin de l'école. On est tombé en panne dans une rue pas très loin. On pouvait pas venir à pied, mais voilà. Ok. Apparemment, il y a des élèves qui parlent de triche. Ah non, j'ai pas entendu parler de ça. Ok. Lily Rose. Oh punaise, mais t'es toujours pas dans la voiture. Je vais chercher tes stylos, Lily Rose. Il y a des élèves qui parlent de triche. J'espère que t'as aucun rapport là-dedans. Moi, tricher? Il y a des élèves qui ont dit. Pas ouais, du tout. Il y a des élèves qui ont dit Lily Rose, peut-être qu'elle voulait tricher et tout. Ah. T'es sûr que c'est pas toi? Non. T'es sûr? Oui. Elle est dans la voiture là. Le manteau. Le manteau, l'empoté ça. Allez, le manteau. Et Peppa Pig. Et qu'est-ce que tu fais? Je cherche après ce stylo. Mais des stylos, il y en a partout dans la maison. Oh là, Lily Rose, allez, on y va. Bah oui, dépêchez-vous là. C'est une évaluation de quoi, Lily Rose? J'en peux plus. Oh, je suis sûr qu'elle a. Je suis sûr, les amis, qu'elle a caché ses stylos pour pas qu'on les trouve. Pour rater l'évaluation. Pour pas la faire. Je sais que... Mais qu'est-ce que tu fais? Stop. Oh. Lily, je veux pas te suivre partout. Allez, on va se calmer. On va se calmer ou quoi là? Oh, allez, ton évaluation. Allez, vas-y, prends-la dans. Allez. Allez. Quelle tenue? Papi, dans n'importe quelle tenue. On est pas dans le clip ici. Dans n'importe quelle tenue. Dans n'importe quelle tenue, il faut qu'elle y aille. Allez. Il faut qu'elle y aille quoi qu'il arrive. Même si elle y va en pyjama. Allez, descends. J'ai jamais vu ça de ma life là. Bon, franchement, les amis, comme vous avez pu le voir ici, c'est la grosse catastrophe, c'est le cataclysme. En tout cas, ce que vous pouvez faire en attendant, on va vous donner des nouvelles plus tard, c'est aller voir le clip qu'on a sorti, Popit Mania spécial Noël, il apparaît juste là ou là, ou une autre de nos vidéos. Et à la prochaine, bye bye, j'en peux plus. Oh.